Et moi, pourquoi je fais ce métier, c'est pour voir le monde et pour le raconter. Là, c'est le Vendredi Saint à Jérusalem. Il y a déjà une grande densité de photographes professionnels. Tous les ans, il y a une bande de Californiens qui viennent et qui rejouent avec des costumes, qui rejouent le chemin de croix et la crucifixion. Là, ça fait 1 heure qu'ils marchent. Ils ont parcouru toute la Via Dolorosa. C'est pas très intéressant parce que c'est très artificiel. Moi, seulement cette scène-là m'intéresse et c'est ce que j'ai attendu. Ce sont des situations qui s'enchaînent comme ça, et on fait comme une espèce de moisson, hein. On engrange un maximum de ce qu'on considère être comme des bonnes situations, plus que comme des bonnes photos. Et ces images, on les a. Savoir si elles sont bonnes ou pas, on a les moyens maintenant avec un appareil numérique de vérifier sur place. Ensuite, on rentre chez soi, on accumule ces images, on commence à les sélectionner, à les resserrer, mais c'est là que se construit l'histoire, à l'editing. J'ai rarement une bonne photo par hasard comme ça. Ça peut arriver. Parce que bon, toute la journée, on photographie. Hein. Fois, on n'a pas d'idée. Je pense que le processus pour avoir de bonnes photos, c'est d'abord de s'imprégner d'émotions. Par contre, là, on photographie. Moi, je trouve qu'on photographie jamais avec le cœur. On photographie plutôt avec la raison. Comme on voit, il y en a très très peu qui cadrent. En fait, voilà, ils se bousculent. La lutte est assez féroce. Et en fait, ils ont tendance à tendre comme ça le bras avec leurs appareils et à photographier. On peut au juger comme ça pour. Donc, oui, je me souviens très bien du bruit des rafales des appareils photo. Oui. Moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est que c'est encore une scène de la vie biblique qui est revisitée à la manière du XXIe siècle, quoi. Si Jésus revenait, s'il était encore une fois crucifié, je pense qu'il y aurait aussi les médias. C'est ce que j'ai voulu montrer.